nous arrivons dans 24e jour, 4e mois de l'année 2021, et moi, du bonheur chrétien. Nous disons, bon Dieu, merci. Et c'est un privilège pour nous capables de vivre le mot sur thème ça. Nous disons, bon Dieu, merci pour lui-même. Et côté nous jeunes thème là, nous jeunes dans Proverbe 13, verset 21. Le malheur poursuit ceux qui pêchent, mais le bonheur récompense les justes. Texte de référence, nous joignons dans Proverbe 13, verset 13. Celui qui méprise la parole se perd, mais celui qui craint le précepte est récompensé. Là, nous faisons un coup d'œil sur tous les deux textes. Nous voyons que c'est même bagaille là. C'est même bagaille que vous voulez dire. Nous voyons le malheur qui poursuit monde qui a fait péché. Nous voyons celui qui méprise la parole de Dieu, qui sacrifie, il perdit. Et nous voyons, mais cependant, le bonheur lui récompense les justes. Et nous, là, lui-même dit où? Celui qui craint le précepte, ça veut dire celui qui craint la parole de Dieu, lui récompense. Frères et sœurs, dans le Seigneur, Matthieu m'a posé nous deux questions pour nous capables de commencer avec méditation. Et deux questions, ça y est, c'est au même qu'à suivre toute méditation. Et pendant toute méditation, ou même, ou à poser tête ou deux questions, ça y est. Continuellement, ou à poser tête ou questions, ça y est, et ou à répondre. Et dans la réponse, ou à va joindre bonheur. Tout dépend de réponse. Avez-vous conscience, frères et sœurs, que votre avenir est merveilleux? Est-ce que nous avons conscience que le futur nous est merveilleux? Avez-vous conscience que vous êtes sous le regard de Dieu et qu'il prend soin de vous? Est-ce que nous prenons conscience que nous en bas regard bon Dieu et que bon Dieu a pris soin de nous-mêmes? Est-ce que nous prenons conscience de ça? Si oui, nous prenons conscience de ça, alors, frères et sœurs, dans le Seigneur, qui s'en attend, dépassez votre regard charnel, quittez le regard charnel, quittez le regard comme si vous regardez devant, comme vous regardez sur l'air, et recherchez la pensée de Dieu. En aller plus loin que ça nous est. On nous garde, l'on a étudié la parole de Dieu, l'on a gardé la parole de Dieu, on nous essaye de retirer charnel là, regard charnel là, que nous avons gardé pour nous quitter, nous rentrer dans la parole de Dieu, pour nous lire entre les lignes, pour nous lire après, derrière les lignes, pour nous capables de joindre penser, bon Dieu. Il y a un pile monde qui a mené en vie que vous pas aimé. Qui pas fait au plaisir, surtout. Mais cependant, yo conformé yo dans vie ça. Yo résigné yo. Résignation ça, li fini par faire oublier les formidables promesses que bon Dieu fait pour la vie yo. Qui t'aime dire? C'est pas bon Dieu, non? Ce n'est pas volonté bon Dieu, non? Pour vivre, vivre, vivre là. Ce n'est pas volonté bon Dieu, non? Pour résilier ou l'envie qu'on a mené qu'on parle. Ce n'est pas volonté bon Dieu. Parce que volonté bon Dieu pour nous, c'est épanouir nous chaque jour. C'est pour la vie nous remplir avec joie. C'est ça qui est volonté bon Dieu.
C'est pour l'esprit ou en paix. Mes volontés, bon Dieu. Bon Dieu, tu es même prévoit. Il te même prévoit bonheur pour vous. Il te même prévoit la paix pour vous dans le travail. C'est encore une promesse que mon Dieu fait nous. Mais cependant, pour promettre ça, il est capable de réaliser, on doit vivre la pensée de Dieu et on doit dépasser point de vue par là. Le nom trouvé en face de mauvaises nouvelles, le nom a fait face à certaines situations, à certaines impasses dans la vie, nous, pas jamblier que bon Dieu, c'est protecteur, nous. Il est le Dieu de la restauration. C'est ça pour tout songer. Que bon Dieu, c'est le Dieu de la restauration. Il est le chef des armées. Et c'est lui-même qui a combattu dans la place, nous. Il y a un monde critiqué, très bien. Mais attention, pas tomber dans piège pour critiquer le tout en retour. Pas tomber dans piège ça. Combat ça, c'est combat bon Dieu lié. Il a pris défense. Parole a dit nous, dans 1 Pierre 3, verset 9, ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous êtes appelés, afin d'hériter la bénédiction. Eh bien, dans la vie, il y a deux chemins. Il y a deux chemins qui ouvrent pour nous. Ou il y a un chemin de défaite là, et ou il y a un chemin de la foi. Chemin de fête là, c'est ça que Dieu l'a cherché. C'est chemin raison. Ça nous-mêmes nous choisir. Nous choisir chaque fois qu'a mené nous non apitoiement. Et qui c'est exactement contraire de sa bon Dieu mandé. Et nous, ouais, que li bloquer action bon Dieu pour nous. Li bloquer action bon Dieu dans la vie, nous. Comme ça, tout, nous capables choisir tout. Chemin la foi. Nous ka choisir chemin la foi. Et voir ça. Son voie qui est invisible, chemin la foi, son chemin qui est invisible. Nous pas qu'à ouer la yeux comme ça. Nous pas qu'à ouer la yeux lâchés. Mais nous avons ferme conviction que lui existait parce que c'est bon Dieu qui montrait nous. C'est un véritable choix que nous avons pour nous faire. Et pas gain temps encore, non? Non, nous pas gain temps encore. La voie de la raison, la voie de la foi. Nous avons pour nous choisir yon là-dedans. Raison, l'irrationnel. Ça veut dire, lui montrer nous toute misère, nous. Lui montrer nous toute souffrance, nous. Lui montrer nous et tout ça qu'on a pas duré dans le monde, ça. Lui montrer nous tout ça. Qui pas bon yo. Mais, li pa pote aucune solution. Li pa pote aucune solution. Voix raison, voix de la raison pa pote aucune solution. Ça fait que li pa pote solution, parce que solution, li pa rationnel, mais li divin. Solution pas rationnelle. C'est ça que fait voir raison pas capoter solution pour vous. Parce que solution, li divin. C'est seul bon Dieu qui capote solution pour vous.
Dieu, c'est seule solution monde ça. Jésus-Christ, c'est sauveur monde là. Nous pas qu'à ouais ça avec raison, mais seulement avec la foi que nous capables ouel, que nous capables comprendre. Alors, qui s'en attend pour nous retirer corps nous dans ça que monde là pensait de nous, pour nous vivre le miracle de Dieu, qui s'en attend toujours? Suspendre sage dans Dieu monde là pour nous capables chercher plutôt la sagesse de Dieu. On nous mettait de côté la voie de la raison et on nous fait choix de la voie de la foi. La voie côté bon Dieu réaliser des choses impossibles pour nous. La voie côté nous voit la grâce inconditionnelle de Dieu qui a manifesté dans la vie nous. La voie côté rêve nous yo tourne réalité parce que n'a pas marché par la foi. C'est par la foi n'a pas marché. Car la foi et l'espérance c'est antipoison de la peur et de l'anxiété. Lorsqu'on a la peur, lorsqu'on a l'anxiété, c'est poison que vous avez dans la vie. Yo. Et qui anti-poison pour prendre, qui contre-poison pour prendre, c'est la foi et l'espérance. Oh, Jean ça belle. Jean ça bon. L'on fait confiance, l'on fait bon Dieu confiance. Bon ami ça, qui pas jamais changé. Bon ami ça, qui toujours aimé, quel que soit bêtise qu'on fait. Et là, nous lit. Dans Exode 14, verset 13 à 14, qui ça que nous joigne? Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous. Gardez le silence. Nous besoin alimenter vrai bonheur noir lorsque nous restons dans la parole de Dieu. Lorsque Amen. Nous restons dans l'obéissance. Et nous besoin pour nous alimenter vrai bonheur noir lorsque nous restons dans la foi. Vrai bonheur, paix intérieure. Sérénité que nous avons cherché. Nous avons cherché tout partout dans le monde. Là. Nous avons cherché le côté du pays, côté le pays. Alors que nous avons plâmé nous. Vrai bonheur, paix intérieure qu'on a besoin. Sérénité qu'on a besoin pour vivre bien. L'ichita sous trois roches d'effets. Toi, je dis fait ça, yo, c'est connaissance de la parole de Dieu. La foi et l'obéissance à la volonté de Dieu. C'est sous toi, je dis fait ça, yo, vrai bonheur. Père et terre, yo, cherche tout par toi, c'est sous yo. Et yo, viens tout dans le livre de la vie, dans la Bible. Parole de Dieu. Parole, bon Dieu. Ligue en pile puissance. Parole de Dieu en pile puissance. Dans Luc 1, verset 31, l'ange l'a dit, Marie, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Ça, c'est la puissance de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, lui guérit. La parole de Dieu guérit. Quand on joint ça, on joint lui dans Luc 18, verset 41 à 43. Il dit, Jésus
lui demanda, « Que veux-tu que je fasse ?» Il répondit, « Seigneur, que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Recouvre la vue, ta foi. » Tenez bien, oui, « Ta foi t'a sauvé. » À l'instant, il recouvra la vue et suivit Jésus en glorifiant Dieu. Tout le peuple voyant cela loua Dieu. La parole de Dieu, parole bon Dieu, l'y restaurer. Parole bon Dieu, restaurer. C'est ça qu'on joigne dans Jean 8, verset 10, 11. Qui ça dit? Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Ça, c'est la restauration de la parole de Dieu. La parole Amen. De Dieu, lui relevez-nous. Parole bon Dieu, relevez-vous. Et qui compte joindre la parole de Dieu, relevez-vous. Ou joindre dans Jean 4, verset 14 à 18, qui dit où? Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu cinq maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. La parole de Dieu, relevez-o. La parole de Dieu, libérez-o. Vous restez dans la parole de Dieu, la libérez-o. Nous jouons une libération avec la parole de Dieu dans Luc 23, verset 39 à 43. Qui dit nous? L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice quand nous recevons ce que nous méritons, ce que méritent nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis, en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Voilà la libération de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Nous pas capables de recevoir un rien de bon Dieu si nous pas connectés dans la parole Lia. Nous pas capables de recevoir un rien de lui-même si nous pas connectés dans la parole là. Le roi David avait péché. Le roi David était péché. Il était enduré torture du remords. Il était un remords de péché de faire. Mais il était confessé péché lui. Et bon Dieu t'a pardonné. Il était quitté grand médecin ça. Le grand guérisseur, il était quitté le guéril par le repentir. Il était repenti de faute lio, il était confessé et il était joint pardon. Et c'est ça fait dans le 23e psaume, il exprimait confiance en mon Dieu. Et message ça, que psaume 23, gagne la donne, son message qui est très descriptif, son message de paix. Son message, que lui-même était éprouvé, il était joué de la paix et il était entré dans communion avec bon Dieu. La paix, ça, qu'on joue dans la compagnie de Dieu, dans la compagnie vitale avec berger ou là. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien.
Berger ça, bon berger ça, te bay David, yon paix. Yon paix qui te pote satisfaction et qui te pote un contentement complet pour David. De même, ou même tout, matin, qui quitte tout son tagé pour faire, qui vient bay bon Dieu gloire, c'est parce qu'on fait bon Dieu confiance. Mais restez dans confiance, non. Restez dans la foi. Parce que si vous cherchez premièrement le royaume bon Dieu, ya, tout son besoin, vous avez besoin de tout comme dégui. Bon Dieu a baou yo. Parce que li bay la paix. Nan mon trouble ça, bon Dieu ba nou la paix. Li conduit nous dans tranquillité, dans le calme, dans son amour. C'est ça, bon Dieu ba nou. Nous voyons comment vendre l'envie, monde en tête en bas. Et même si l'orage, la vie, ça tombe sous. Même si mauvais graine, mauvais la vie, ça vient pour le couvrir. Ou pas besoin de craindre aucun mal. Ou pas besoin de craindre rien. Car bon Dieu, Dieu est avec nous. Nous pas besoin de craindre. Bon Dieu a délivré nous. Bon Dieu protège nous. Et bon Dieu, ça qui est là, bon Dieu soutient nous. Il tient bien nous. Quel berger! Quel berger, oh là là! Qui bon berger ça? Qui comble nous avec bonté li? Bonté et qui prend nous, qui déborde, qui bat nous la joie de nos figuier minou yo, nos figuier adversaire là. Li dresse en table pour nous, nos figuier adversaire. Est-ce que nous connaissons bon berger ça? Connaissez-vous ce bon berger, mes chers amis? Connaissez-vous ce bon berger? Est-ce que nous prenons lui? Est-ce que nous faisons confiance? Esaïe dit nous que berger tente ça, berger miséricordieux ça, la prend soin de agneau, la prend soin de nous-mêmes qui c'est mouton, la mette nous dans bras, la pote nous dans et sous l'estomac. Est-ce que nous prêts pour nous sortir de confusion que nous y est, de mêler l'eau que nous y est, pour nous aller dans la sérénité des bras immortels de Dieu? Êtes-vous prêts, mes amis? Êtes-vous prêts, frères et sœurs, dans le Seigneur? Est-ce que nous prêts pour nous remettre, bon Dieu, péché passé nous? Est-ce que nous prêts pour nous remettre, bon Dieu, tentation présente nous? Est-ce que nous prêts pour nous remettre, bon Dieu, crainte future nous? Pour nous remettre nous, pour nous remettre toute bagaille ça yo, et puis pour nous remettre tête nous complètement à lui-même. C'est choix par nous. C'est choix. Ou. Et ça belle là. Non seulement c'est choix, ou, mais ou gen capacité. Li mette capacité dans nous-même pour capable faire choix ça. Li bon capacité pour faire. Lorsque nous venons Jésus, ou même qui peut qu'on Jésus dans la vie, lorsque nous venons Jésus avec tout cœur, eh bien, recherche quoi faire de paix intérieure là, de bonheur là, eh bien, pour l'espoir là, mais recherche ça, l'infini, oui, ou pas de recherche pour Franco, non, ou terminer avec recherche ça, parce qu'on vient Jésus. Et on vient Jésus à tout cœur. À tout cœur, à tout même. La bonne la paix. La mettez un baume dans le cœur. La mettez le calme dans la vie. Pour tout le monde qui vient joindre, uniquement, moi bien dit, uniquement et seulement avec la foi dans Jésus. Et pour nous finir, je dis quelques mots de yon poète qui est le Ralph
Cushman, il t'a écrit. Il m'a prêté quelques mots ça yo pour moi banon jodi a. Je connais une paix où il n'y a pas de paix. Un calme où les vents furieux soufflent. Un endroit secret où face à face avec le maître, je peux aller. Alléluia. Gloire à Dieu. N'a bien l'esprit nous en paix dans un monde troublé. L'on finit de Jésus. Au seul bagage qui est au pour faire. Ou mi porteur à Jésus. Ou même qui peut joindre ni. Ou même qui te vient joindre ni, mais qui te vient joindre ni et mosso. Ou même qui te vient joindre ni, mais pendant c'est ton gros pion en dedans, pion dehors. Ou même qui te vient joindre ni, qu'on peut qu'on fait confiance. Ou même qui te vient joindre ni, clopi clopin, eh bien, fais la confiance totale. Ouvri porteur by Jésus. Jodi à même. Qu'on y a même. Dans seconde ta même. Et un jour, il vous ouvrira la porte du ciel. Côté la paix parfaite là, la prégner à tout jamais. Qu'il en soit ainsi pour nous. Près de Jésus, je trouve un sûr asile. Et si mon ciel est parfois menaçant, il me rassure, en lui je suis tranquille. Dans ma faiblesse agit son bras puissant, alléluia. Près de Jésus, nulle frayeur, la joie est indicible. Près de Jésus, je suis vainqueur, l'âme heureuse et paisible. Près de Jésus, je suis béni sans cesse, allègrement je porte mes fardeaux. Un mot de lui dissipe ma tristesse et son amour me donne le repos. Alléluia. Près de Jésus, nulle frayeur, la joie est indicible. Près de Jésus, je suis vainqueur, l'âme heureuse et paisible. Près de Jésus, ô douceur infinie, je veux marcher heureux jour après jour, jusqu'à la fin du combat de la vie, en lui goûter un éternel amour. C'est Jésus, ça, au besoin. Près de Jésus, viens côté le nom. Nulle frayeur, la joie est indicible. La joie est indicible. Près de Jésus, je suis vainqueur, ou pas gain route pour prendre encore. L'âme heureuse et paisible. Que bon Dieu bénisse nous. Amen. Amen.